Ma fille, viens te dîner. Qu'est-ce qu'on va dîner? Saumon et salade. Délicieux, merci. Je vais. Dites-moi, comment va l'école? Très bien, maman. Je suis très contente avec mes amis et mes classes. Sont très intéressantes. Bonjour, élèves. Aujourd'hui, un nouvel étudiant rejoint notre institution. Il s'appelle Louis. Avant Louis, présente-toi. Allez. Bien, comme vous avez déjà écouté, je m'appelle Louis. Je n'aime pas venir à l'école et j'aime prendre soin de mon corps. J'aimerais regarder le défi de mode et quand je suis grand, je voudrais être un mannequin. Dring, dring. Porte-toi un capa. Tu vas manger tout ça? C'est seulement un sandwich et un biscuit. Quel est le problème? Pas de problème, mais je trouve bizarre de voir quelqu'un manger autant. Alors, qu'est-ce que tu vas manger? Juste de l'eau. Et vous n'avez pas faim? Non, je suis habitué. D'accord. Des scènes ordinaires. J'ai préparé ton plat préféré, hot cakes avec bourse. Merci maman, mais je vais manger fruits. J'ai très faim. Bonjour, comment ça va? Ne va pas très bien. Pourquoi? À minuit, je me suis réveillée très faible et j'ai mangé toutes les hotcakes qui restaient de la dîner. Je me sens mal à moi-même. Ne t'inquiète pas, j'ai un secret pour manger tout ce que tu veux sans grossir. Manger sans grossir? Quel est ton secret? Après manger, vous allez aux toilettes et... Viens, je te montrerai. D'accord. Tu vas entrer dans cette salle de bain et... Que veux-tu dire par là? Non, je ne fais pas ces choses. Je ne peux rien dire, Seigneur. Agnès, tu es bien? Tu te sens mal? Je vais bien, maman. C'est juste un mal de ventre. Demain, je te vais prendre chez le médecin. Non, ce n'est pas nécessaire. Ainsi, c'est commençant les infections. D'accord. Oui, j'ai l'essayé. Comment ça s'est passé? Mal. Ma mère me voit et elle veut me mener chez le docteur. Que malchance! Mais chez le docteur, ni pas et ne dit pas pourquoi tu as vomi. C'est ce que je veux faire. Bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il y a à apporter ici?
Et ma fille ne se sent pas très bien, c'est vrai, Agnès? Oui, je me sentais mal de l'estomac. Depuis quoi? Je depuis j'ai. Vous avez bien mangé? Oui. Bien. Et moi, j'ai votre perfil médical, vous êtes à votre plus idéal. Je recommande manger plus de fruits, de légumes et faire 30 minutes d'exercice. Pour pesquer du paracétamol, pour des douleurs d'estomac. Oui, d'accord. Merci. Tu as entendu le docteur Ragné? Tu dois manger bien. Mais maman, je n'ai pas faim. Je me fous. Tu dois manger. Je ne comprends pas pourquoi tu ne manges pas si tu es à votre poids idéal. Merci, maman. Je vais à ma chambre. ¿Tú te sientes bien? ¿Tú has leído un poco pálido? Oui, oui, je me sens bien. Tu ne dois pas me demander tout le temps. Je vais bien. Tu juste en train de vomir, Agnès. Ce n'est pas pour tout juste. Seulement quand tu sens que tu as mangé beaucoup. Tu apportes déjà des conséquences. Qui comprends-toi? Tu m'as recommandé rester dehors de ma vie, s'il vous plaît. Je dois parler à la mère d'Agnès. Bonjour madame, et Daniela? Bonjour lui, non, elle est dans le gym. Et je vais lui dire que tu es venu pour elle. Je suis venu pour vous parler. Il est sur Daniela. Oui, je la trouve étrange. Savez-vous qui le passe? Elle a longtemps été changée. Oui, Agnès est boulimique et elle a besoin d'aide immédiate. Et comme sais-tu qu'elle est boulimique? Elle t'a dit? Parce que je se l'ai recommandé, mais elle a dépassé la ligne. Agnès, je vais te parler. Maman, si tu vas parler, je ne mange pas avec ça, sauve-les. Je suis inquiète pour toi. Et demain, je te vais mener chez le docteur. Ce n'est pas question. Bonjour. Tu avais la boulimie. Perte de chaboum, d'un stage, perte de poids extrême. Je ne te demandais pas pourquoi tu le fais, mais vous devez prendre la réhabilitation. Il est très facile de commencer la boulimie, mais il est difficile de quitter. Et que recommandez-vous, docteur? Vous devez prendre la réhabilitation. Vous perdez beaucoup de nutriments. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas mourir. Tu as raison. Je ne voulais pas ça pour mon corps. Je ferai tout en mon pouvoir pour récupérer. Vivre avec la boulimie, c'est horrible.